comment ça fonctionne les règles du combat? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Comment on marque des points? Donc au niveau des combats dans Ludosport, le principe c'est que toute partie du corps est une touche valable. Donc que ce soit la tête, les bras, les jambes. Par contre, il y a deux différents types de touches. Ce qu'on appelle la touche I, c'est-à-dire du coude jusqu'au bout des doigts et du genou jusqu'au bout des doigts de pied, sont des, ce qu'on appelle des touches non mortelles. Ça interrompt le mouvement, on doit s'arrêter, ouvrir sa garde, mais ça n'arrête pas le combat. Le reste du corps est une touche O, c'est-à-dire un coup mortel, un coup qui compte dans le décompte des points final, pour savoir qui a gagné. Donc au niveau des tournois ou des duels, chacun choisit le nombre de, avec son adversaire, combien de points vont compter, les différentes limitations au niveau de la zone de terrain ou les différents styles utilisables, alors qu'en tournoi c'est très limité. On a le droit d'utiliser que les techniques pour lesquelles on a été formé. Ici, principalement le shisho, qui est le tout premier style de combat sabre laser. Certains ont également le makashi, le deuxième style, et eux ont le droit de l'utiliser. Ça vient d'où alors, du Japon, ce sport? Non, alors en fait, au début, ce sont trois maîtres en différents arts martiaux qui ont décidé de combiner leur connaissance des arts martiaux avec le sabre laser, une arme ludique tirée donc de l'univers de Star Wars, pour en faire une discipline de combat à part entière. Le but n'est pas ici de faire des démonstrations. On n'a aucune technique de démonstration, de kata ou équivalent. C'est vraiment toujours du combat. Alors le ludosport, c'est arrivé en France il y a 2 ans. Ça a commencé à l'Académie de Paris. Puis j'ai ouvert mon camp d'académie suite à ma formation en Italie. Le ludosport inclut des combats à la touche, sans protection, inspirés du kendo, de l'escrime, du wushu et de diverses techniques acrobatiques comme celle du film. Combien de membres dans votre club? Nous sommes 18 à peu près. Là. Comme c'est un sport nouveau, les gens ne savent pas trop que ça existe, où trouver ça. Et les gens de Bussy sont très intéressés, donc c'est avec plaisir qu'on va les accueillir. D'accord. Ça se passe où les entraînements? Dans ce complexe. À Laura Flessel. Laura Flessel, Bussy Saint-Georges. On n'a pas de bouton, parce que pour le combat, c'est compliqué. Donc, du coup, pour l'allumer, en fait, c'est normalement. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est un mouvement en fait. C'est un peu comme dans le film. Il y a un kilomètre dedans, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Et ouais, qui capte les mouvements. Donc certains, c'est un autre mouvement. Et voilà. Allez, beaucoup de temps. Écoutez l'ensemble.
Là on est bien le 2 pour l'instant. Là on est. Parce que j'ai essayé si tu veux, mais le mien vient pas de là. Là on est respecté. Tu vas être trop loin. Là on sent le respecto. Là, là on sent le service et tout. Je suis la main dominante par contre, ça va. Voilà. De main droite. Moi je me bats comme ça. Vous venez d'où? Tours. Vincennes. Vincennes, d'accord. Et vous faites partie du même club? Parce que vous avez le même costume? Bah, du coup, c'est qu'on a le même grade en fait. Le même grade? Voilà. Alors expliquez-nous un peu les grades, rapidement. Il faut mettre du d'instructeur ou non? Je te dis ça en fait. Je vais vous examiner. C'est quoi les différents grades en fait? Alors, il y a plusieurs types. Là, on a les arbitres qui sont en bleu. On peut voir Hugo là-bas qui a cette tenue noire avec un dessous violet, qui est lui maître de style Makashi. On a la tenue noire basique avec le sport dans le qui est l'Académico. Qui est l'Académico, que l'initié. Après, on a la tenue padawan. Initiato. Qui est une récompense, entre guillemets, qui est l'investissement dans le sport. Et tout ce qu'on a. Une tunique, voilà. Jaune, orange pour tout ce qui est instructeur. Et le Robin des Bois, c'est un instructeur. C'est ça. Un instructeur. Tout à fait.